tous lu le portrait de Pierre Ménichoux dans Libération. On est très, très fiers. Bravo, Marcella, je dois dire. Je ne sais pas comment vous avez réussi ce coup de maître. Il l'a relu, il l'a relu. Ah, non, ça va pas. Non, mais là, je n'étais même pas au courant qu'elle faisait un truc sur moi. Oh, tu parles. Enfin, oui, enfin... Vous trouvez pas que ça fait pas vraiment, de toute façon j'attaque. J'attaque Marcella parce qu'elle a pas écrit sur moi. J'attaque Libération parce qu'ils ont publié une photo absolument ignoble. Et j'attaque surtout Macron. Pourquoi Macron? Parce qu'il me pique la une. Normalement c'est moi en une et lui en dernière page. Il respecte pas les anciens, ce petit con. Hein. Non mais moi je trouve ça fait un peu copinage quand même. Ah, vous trouvez? Ah, Marcella évidemment, et Pierre Ménichoux, ça fait un peu. Ouais. Ah mais alors, oui, oui, oui. Alors, c'est parce que tu aurais voulu que je fasse ton portrait. On s'enfile en couronne et c'est pas terrible. Ça. Oui, 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 oui. Radio concierge. Là. Oui, ah bah oui. Ah bah, ils sont méchants. Oh oui, ah bah tutu. Bah. Oh bah petite oh, loutre. Pauvre bah. Ami. Bah. C'est marrant, on dirait deux tontons pendant un mariage. Range ta serpillière, Dudu. Bah. Oh, il a bien supporté la canicule, le vieux. Hein. C'est le moi qui s'allume. Mais on y était jaloux. Il n'y a pas tellement de jolies femmes ici. Pourquoi on appelle l'une d'elles le vieux? Fais attention, tu perds un fossile. Ça vous fait quoi, Walidia, d'entendre Péroni et Bénichoux parler comme ça? Là, ça sent, tu sais, la fin de mariage, un peu compliqué avec les deux tontons qui s'engueulent. Oui. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, quand même. Vous seriez mon neveu? Je sais pas. Vous êtes joli garçon, en tout cas. Ah, c'est le tonton dégueu. J'aimerais bien être votre tante. Ça va bien, monsieur Bogdanov, pendant ce temps-là? Mais oui, ça va très bien. En fait, j'ai l'impression que... On parlait tout à l'heure de la chaleur, mais il faut quand même savoir que l'année 2016... Merde. Je n'aurais pas dû poser la question. Mais est-ce que vous savez que l'année de 2016 est l'année la plus chaude? Oui, on le sait. Vous oui. savez. Et l'année 2015 aussi, oui. qui a été battue dans le Paris. J'ai l'impression d'entendre le docteur Simès qui nous dit que le sport, c'est bon pour la santé. Bon, ben, je vais continuer. En disant que... Ça fait monter le niveau de la mer. Est-ce que vous savez pourquoi la mer monte? Ouais, à cause de la fonte des glaciers. Elle monte parce que j'ai dit qu'il y avait à manger au deuxième étage. Oui, elle est montée, c'est ça. Ah, ça, c'est tout ma mère, ça. Alors là, tu la connais pas, ma mère. Alors... Eh ben, pas du tout. Non, la mer monte parce que... À cause de la banquise, des glaciers. Non, voilà, alors Stevie dit une partie de la vérité, c'est que la banquise fond. Malheureusement, c'est vrai. Ah, ouais, mais il y a autre chose. Il y a autre chose, c'est que, exactement comme un fluide qui se dilate avec la chaleur, elle se dilate. Et en 2100, on aura perdu un mètre. C'est-à-dire que ouais, mais là, tu parles de 2100, Bénichoux, il s'en fout, hein, 2100. Cher ami, vous qui parlez de moi de façon si amusante, par mon nom de famille, si je connaissais le vôtre, je vous appellerais comme ça. Walidia, monsieur Walidia. Alors, Dia, oui. Dia, en l'an 2100, oui. elle sera pas vivante non plus. Hein. Tu te vois dans 84 ans? Regarde déjà comment tu as 48 ans. Et Stevie, alors, dans tout ça, son livre, qu'est-ce qu'on a comme lecture? Alors, la une, plutôt la dernière page de Libé pour lire le portrait de Bénichoux, le livre de Stevie que je n'ai pas encore lu. Vous le lirez bientôt. Ben, je le lirai bientôt, oui. Alors, dites donc, vous allez faire des dédicaces à travers la France et tout. Eh oui, c'est parti pour un grand tour. Et alors, ton livre, ça cause de quoi-t-il? Quelle oui. rentrée littéraire? Quel est le contenu de ce livre? Oh, c'est un roman. Il y a des pages. Non. Et puis, alors là, mon livre, il est bien et je l'assume totalement et je l'adore. Ah, bah, il manquerait plus que ça. Oui. Dis donc, dis-moi, mon petit gars, quand on donne un livre à Dia ou à Bénichoux, hein, et qu'on le lui offre comme ça de la main à la main, on met, avec toute mon admiration, avec quelque chose, ça s'appelle une dédicace. Dédicace, oui, c'est vrai. Alors, tu sais toujours pas écrire à la main? Mais si.